On s'était dit un jour que ce serait intéressant pour nous de pouvoir justement apprendre à nous déplacer autrement qu'en voiture, peut-être qu'en transport en commun. Enfin voilà, on avait une idée là-dessus. Et comme on se connaît un peu dans les réseaux associatifs et les réseaux féminins ou féministes, on a eu connaissance de l'action que mène en fait Carmen Sanchez, qui est une femme qui travaille chez Provélo. Et elle propose des cours d'initiation au vélo en ville uniquement pour les femmes. On est entre nous, et ça ne veut pas dire qu'on est entre nous pour exclure les hommes ou quoi que ce soit, on est entre nous pour pouvoir justement être en confiance et pouvoir apprendre des choses aussi simples que de descendre une bordure sans se casser la figure. Je pense que pour les femmes qui ne sont pas habituées à faire du vélo, par exemple, parfois ça peut être pas évident. La question de prendre sa place, pour moi, elle a été assez, assez importante parce que, justement, quand je parlais de la peur que j'avais, peut-être, enfin, qui n'était pas dite, enfin, en tout cas, ce qui me freinait dans l'idée d'avoir même un vélo à Bruxelles, c'était le fait, effectivement, d'avoir cette voie publique qui est vraiment dévolue quasiment exclusivement en voiture. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se sentir en sécurité sur cette voie publique-là? Et ça, pour moi, ça a été assez déterminant dans cet écolage-là. Et je pense, alors je ne vais pas m'avancer pour les autres femmes, mais je pense que pour les femmes qui étaient là, ça a peut-être pu prendre aussi cet aspect-là. Donc c'est légitime pour nous d'être sur la voie publique avec ce vélo, et les voitures, elles sont derrière, eh bien, elles n'ont qu'à attendre qu'on passe. Donc voilà.